الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الخلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فقر وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون عباد الله قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله اعلموا أن دينكم دين الإسلام مبني على أسس وأركان فمتى إن خرم ركن من هذه الأركان كان مؤثرا على بقية الجوانب جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا فهذه الإشارات إلى ركن من أركان الإسلام ألا وهي إيتاء الزكاة فقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب إخراجها قال جل جلاله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال أيضا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر عباد الله ما من شيء فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده إلا وفيه خير وما من شيء حذر الله منه إلا وفيه شر لذلك فالزكاة طهرة للمال ولصاحب المال قال جل جلاله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها عباد الله وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة بن عامر شفر مزلمان نور مرسيان الله انفينيمان لونج à الله le Seigneur de l'univers لونج à الله qui n'a pas d'associé La paix et la bénédiction d'Allah soit sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons et tous ceux qui suivront leurs traces jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères musulmans, craignons Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et ne mourons pas en pleine soumission en Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères musulmans, nous parlons aujourd'hui sur l'un des pliers de l'islam. Oui, un plier dans lequel il y a beaucoup de nos frères et sœurs ont négligé ce plier. Un plier dans lequel il y a beaucoup de nos frères et sœurs ont abandonné ce plier. Un plier dans lequel il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui le donnent comme ils veulent. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui sur ce grand plier qui fait partie des pliers de l'islam qui est de s'acquitter de la zakat. Oui, l'acquittement de la zakat est une obligation divine. Oui, c'est un décret divin. Faridatan min Allah. Oui, c'est un décret divin. Mais malheureusement,
Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui négligent ces prières. Alors, si ces prières n'est pas accomplie, cela jouera sur les autres prières. C'est pourquoi nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Chers frères musulmans, comme vous le savez tous, l'islam est basé sur cinq prières principales. L'attestation qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad est son prophète et son messager. Et l'accomplissement de la prière et de s'acquitter de la zakat et le jeûne de mois de Ramadan et de faire le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah pour celui qui en a les moyens. Oui, voilà ces cinq prières principales de l'islam. Mais malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont abandonné ces prières depuis des années. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui n'ont vu ces prières depuis des années. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont délaissé ces prières, qui fait partie des prières de l'islam, qui est de s'acquitter de la zakat. Oui, chers frères musulmans, il y a beaucoup de versets dans le Saint-Coran qui marquent l'obligation de la zakat, ainsi qu'il y a beaucoup de hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui marque l'obligation de la zakat. Oui, quel qu'en soit ton rang, la zakat est obligatoire sur chaque musulman. Approchez-vous des connaisseurs, de demander la quantité exigée de donner la zakat. Ils vont vous informer pour qu'ensemble nous irons, pour qu'ensemble nous allons avoir l'agrément d'Allah le jour de Yom Al-Qiyam. Chers frères musulmans, dans le Saint-Coran Al-Karim, Allah nous dit, accomplissez la prière et acquittez de la zakat. Il parle des musulmans, tous ceux qui disent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Oui, accomplissez la prière et acquittez de la zakat. Il y a l'autre verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit les croyants dans ce verset. Parmi la description d'Allah, il a dit, ce sont les gens, allazina immatallahum fil ard, si nous les mettons sur la terre, aqamu salat, ils accompliront la prière. Ils s'acquitteront de leurs zakat. Ils ordonneront du bien. Ils interdiront le mal. Voilà les descriptions des croyants dans le Coran al-Karim. Parmi les descriptions des croyants dans le Coran al-Karim, si nous les mettons sur la terre, ils vont accomplir la prière. Ils vont s'acquitter de leurs zakat. Ils ordonneront du bien. Ils interdiront le mal. Aïna nahnu min hazihi ta'lim. Chers frères musulmans, qu'Allah nous facilite. C'est pourquoi toute chose, tout ce que Allah a ordonné, cela est bien pour nous ici-bas et l'au-delà. Comme la zakat, comme de s'acquitter de la zakat. Oui, mon frère et soeur, cela est bien pour toi ici-bas et l'au-delà. Et tout ce que Allah nous a interdit, cela est mal pour nous ici-bas et l'au-delà. Comme celui qui refuse, comme celui qui néglige de s'acquitter de la zakat. Cela est mal pour toi ici, c'est mauvais pour toi ici-bas et l'au-delà. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Chers frères musulmans, celui qui s'acquitte de sa zakat, non seulement ça purifie son âme, oui, ça purifie son âme, et ça purifie son bien, et ça lui bénit ici-bas, et le jour de Yom Al-Qiyama, il aura la satisfaction d'Allah.
Oui, c'est pour celui-là qui s'acquitte de sa zakat convenablement, comme Allah a dit. Et Allah nous facilite. Allah dit dans le Saint-Coran al-Karim, il faut prélever dans leurs biens ou de leurs biens la zakat dans laquelle qu'ils purifient leur âme, qu'ils purifient leurs biens, qu'ils leur bénissent. C'est pourquoi celui qui s'acquitte de sa zakat convenablement, il sera béni ici-bas. Oui, il sera béni ici-bas. Il sera purifié ici-bas. Et l'on est là, il aura l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah, le jour de Yom Kippour. Chers frères musulmans, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, chaque individu, le jour de Yom Kippour, il sera sous la protection de sa zakat. Chaque individu, ça c'est pour celui qui s'acquitte de sa zakat. Et celui-là qui néglige depuis des décennies, depuis des années, celui-là qui néglige, Allah nous donne la meilleure compréhension. Chers frères musulmans, les gens ou les musulmans sont répartis en trois groupes. Oui, les musulmans sont répartis en trois groupes. Premièrement, c'est ceux-là qui donnent la zakat convenablement. Oui, ils donnent la zakat comme Allah a dit, convenablement selon l'islam. Et ils partagent aux ayants droit, aux ceux qui méritent. Voilà ceux-là qui donnent la zakat convenablement selon l'islam. Et qu'il partage aux ayants droit, aux ceux qui méritent. Ça, c'est le premier groupe. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous compte parmi ces gens-là. Le deuxième groupe, c'est ceux-là qui négligent. Oui, c'est ceux-là qui négligent de s'acquitter de leur zakat. Ils négligent. Ils font tout le compte par furie. Il connaît déjà le montant qu'il doit donner comme la zakat. Il voit ça que c'est trop pour Allah. Oui, celui-là, il regarde le montant, il refuse de donner. Il y a certains qui se croient malins. Ce montant, si c'est 2 millions, il va donner 1 million, lui-même, il garde l'autre million pour s'enrichir. Tout ce que Allah nous ordonne de le faire, cela est bien pour nous. Oui, mon frère et sœur, acquittons-nous de nos zakats pour avoir l'agrément d'Allah le jour de Yom Kippour. Ça, c'est le deuxième groupe. C'est ceux-là qui négligent, qui ne donnent pas. Ou ceux donc qui donnent, mais ils ne donnent pas selon l'islam. Ceux-là, ils vont donner selon eux-mêmes. Ils vont compter selon eux-mêmes. Ils vont partager selon eux-mêmes. Oui, lorsqu'ils comptent une partie de sa marchandise, ils laissent l'autre partie. Ou une partie de leur bien, de son bien, ils vont laisser l'autre partie. Car s'ils comptent tout, la zakat va être beaucoup. Ça, c'est parmi les deuxièmes groupes. Il y a certains aussi, parmi les deuxièmes groupes, qui s'acquittent de leurs zakats, mais qui ne donnent pas convenablement. Oui, ils vont compter tous leurs zakats comme il faut, si c'est 2 millions ou 3 millions. Oui, ils vont distribuer tout, mais pas aux gens qui méritent. Oui, il est prêt à donner à ses proches qui ne méritent pas la zakat. Je dis bien, les proches qui sont riches, qui ne mérite pas la zakat. Sinon, on peut donner la zakat à les proches qui sont pauvres, qui méritent la zakat. Mais il y a des gens qui préfèrent de donner la zakat à ses proches pour garder son honneur entre vous, pour garder le respect entre eux.
Il y a des gens aussi qui donnent la zakat pour garder la relation entre lui et la personne qui lui donne, qui ne mérite pas la zakat de tout. C'est pourquoi, chers frères musulmans, lorsque nous acquittons de nos zakat, cherchons à connaître quels sont les gens que Allah les a cités dans le Coran et Karim, qu'on doit leur donner la zakat. Pour ne pas perdre ici et le jour de Yom Kippour. Quels sont les gens que Allah les a cités dans le Coran et Karim, qu'on peut leur donner la zakat. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Oui, il y a certains comme ça qui préfèrent garder leur relation ou qui donnent à ses frères qui n'avaient pas de moyens depuis des années. Mais aujourd'hui, ils sont déjà riches. Pourquoi continuer à les donner alors qu'ils sont riches? On donne à ceux qui sont pauvres, aux nécessités, à ceux qui travaillent dans les zakats, aux voyageurs. Celui qui n'a plus rien au cours du voyage, oui, celui-là, même s'il est riche chez lui, mais là, il n'a plus rien. Il est là, il continue sa route. On peut lui donner dans la zakat pour qu'il va arriver aux destinations. Oui, on donne aussi aux nouveaux convertis pour conforter leur foi. Oui, on donne aussi à ceux dont ils combattent dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères musulmans, la zakat, on ne donne pas à qui on veut. On ne donne pas quand on veut. La zakat, on donne selon l'islam. C'est Allah qui a cité ces gens qu'on doit leur donner la zakat. Et à la fin de ce verset, Allah a dit, Faridatan min Allah. C'est un décret d'Allah. C'est un décret divin. C'est une obligation sur chaque musulman et musulmane. Parmi les deuxièmes groupes aussi, il y a des gens qui ne se sentent pas concernés de la zakat. Oui, ils ne se sentent pas concernés parce qu'ils regardent ce qui est dans sa main. C'est 1 million, c'est 800 000, c'est 2 millions. Il faut t'approcher au connaisseur. Quel est le montant exact de nos jours? L'homme doit s'acquitter de sa zakat pour ne pas tomber dans l'horreur. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ne se sentent pas concernés du tout. Ils regardent le travail qu'il fait. Ils disent, on ne doit pas enlever la zakat dans ça. Oui, je ne peux pas pousser la brouette pour avoir 2 ou 3 millions et je vais m'acquitter de ma zakat. Le travail là est très dur pour ça. Chers frères musulmans, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Le troisième groupe, c'est ceux-là qui nient la zakat, qui nient l'obligation de la zakat, qui refusent que la zakat ce n'est pas obligatoire. Oui, il y a des musulmans comme ça. Non seulement ils ne s'acquittent pas de sa zakat, mais ils veulent nier que la zakat, ce n'est pas obligatoire. Voilà ces 3 types de gens parmi les musulmans. Premier groupe, c'est ceux-là qui s'acquittent convenablement. Mais les deux groupes derrière. Le deuxième groupe, c'est ceux-là qui négligent. Il y a certains, ils font le plan. Cette année, ils vont bien faire l'inventaire. Mais la zakat, ils ne les donnent pas. Quand on lui soupçonne, on dit, mais il fait l'inventaire chaque année. Sûrement, il donne. Chacun est dans son sable devant Allah le jour de Yom Kippour. Oui, toi, tu fais l'inventaire chaque année. Mais tu ne donnes pas la zakat. Tu trompes qui? Tu te trompes toi-même. Oui, tu te trompes toi-même. Oui, celui-là aussi, tu négliges. Cette année, il fait l'inventaire. Il donne la zakat. Il fait 2 ans après, il ne donne pas. Qui trompe qui? Mon frère, ma soeur, acquittons-nous de nos zakats. C'est l'un des piliers de l'islam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شفا مسلمان نور مرسي الله La paix et la bénédiction d'Allah soit sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons et tous ceux qui suivront leurs traces jusqu'au jour de la rétribution. Chers musulmans, la zakat est obligatoire sur chaque musulman et musulmane. Quel qu'en soit ton rang, la zakat est obligatoire sur chaque musulman et musulmane. Il y a des causes qui fait l'être humain refuse ou néglige de donner la zakat. Il fait partie de cela à taswif fi ikhrajiha. Il y a des gens qui négligent après d'avoir fait les comptes pour donner la zakat. Il peut prendre 6 mois, sinon 8 mois, jusqu'à l'année prochaine, il n'a pas donné la zakat de cette année. Finalement, il s'est dit, l'année est déjà finie, on attend l'année prochaine. At-taswif, la négligence, ça c'est le premier point. Deuxième point, l'avarisme. Oui, ça c'est le point essentiel de ne pas donner la zakat, l'avarisme. Il y a des gens qui sont tellement avares. S'il a même 5 francs dans son argent, il se voit en faillite. L'avarice. Surtout, il y a certains qui ont des biens depuis des années. Ce que Allah vous a donné par sa grâce, qui refuse de donner les droits d'Allah. La zakat, c'est le droit d'Allah, ce n'est pas pour toi. Oui, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi à la fin du verset, lorsqu'il a cité ces gens, il a dit Faridat al-Minallah, c'est un décret divin. C'est pourquoi on doit faire très attention de donner, de s'acquitter de nos zakats. Troisièmement, al-jahl, l'ignorance. Il y a certains qui ignorent, qui se disent, je n'ai qu'un million. Moi, je ne dois pas donner la zakat. On a dit la zakat, c'est pour les riches. Ceux qui ont centaines de millions. Al-jahl, l'ignorance. Celui-là, il ne connaît pas. Mais si tu ne connais pas, tu dois faire quoi? Étant musulman, tu dois t'approcher des connaisseurs. Oui, tu dois t'approcher des connaisseurs. Sinon, le jour de Yom al-Qiyama, je ne connaissais pas les mots là, ça n'existe pas les jours de Yom Kippour. Il y a des connaisseurs partout. Approchons-nous des connaisseurs et demandons quelle est la somme qui exige la zakat. Alors, ils vont vous informer que Allah nous donne la meilleure compréhension. Voilà parmi les causes qui fait que l'être humain néglige, qui fait que l'être humain ne donne pas la zakat, la négligence, l'avarice et l'ignorance. Alors, chers frères musulmans, écoutons bien attentivement ces versets. Ceux qui ne s'acquittent pas de leur zakat, ceux qui négligent de donner leur zakat, ceux qui nient l'obligation de la zakat. Allah dit dans le Saint-Coran al-Karim, « وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْقَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرًّا لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَقِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » Oui, ne pense pas, celui qui est avare, ne pense pas ce que Allah vous a donné de sa grâce, que tu refuses de donner la zakat.
Ne pense pas que cela est bien pour toi. Même ici-bas, c'est mal pour toi et c'est mauvais pour toi. Ne pense pas que cela est bien pour toi. Allah les met en garde. Ceux qui ne s'acquittent pas de leur zakat. Ceux qui négligent de s'acquitter de leur zakat. Ceux qui donnent leur zakat à des gens qui ne méritent pas la zakat. Voilà, ya savanna lezina yabkaluna bima'atahumullah. Ne pense pas que cela est bien pour vous. Depuis combien des années tu as gardé tes biens? Depuis combien des années tu ne t'acquittes pas de ta zakat? Or, de s'acquitter de la zakat, ça purifie l'âme et ça purifie ton bien. Qui ne veut pas purifier son bien? Qui ne veut pas purifier son bien? Qui ne veut pas qu'il soit béni ici-bas et au-delà? Alors, celui qui veut être béni ici-bas et au-delà, celui qui veut être purifié ici, celui qui veut purifier son bien, qu'il s'acquitte de sa zakat. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Alors, chers frères musulmans, et dans l'autre verset, Allah nous dit « وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » Oui, ceux qui regroupent leurs biens, l'or ou l'argent blanc, ou l'argent liquide, ou le bétail, qui ne s'acquittent pas la zakat, annoncez-leur la mauvaise nouvelle, le châtiment d'Allah, le jour de Yom Kiyama. Chers musulmans, vous voyez la gravité de ceux qui ne donnent pas leur zakat. Vous voyez la gravité de ceux qui donnent leur zakat, mais pas aux ayants droit. Vous voyez la gravité pour ceux donc qui nient l'obligation de s'acquitter de leur zakat. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la bonne compréhension. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la bonne compréhension. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux donc qui s'acquittent de leur zakat convenablement, qu'ils nous comptent parmi ces gens-là. Alors nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux donc qui sont éprouvés, qui ne s'acquittent pas de leur zakat depuis des années, qui sont éprouvés, qui négligent de donner leur zakat depuis des années, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah lui donne le meilleur retournement à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il se retourne en Allah subhanahu wa ta'ala dans le meilleur délai. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne à nos morts, qu'il guérisse nos malades, qu'il résout nos différents problèmes. Allahumma izz al-islam wal-muslimin, wa azil al-shirka wal-mushrikin, wa damir a'daka da'adin, Allahumma ansur man nasur ad-din, wa qzil man khazal al-muslimina ya rabbal alamin. Allahumma adribu al-zalimina bi-zalimin, wa akhrijna min bayna aydihim salimina mustabshirin. Allahumma adribu al-zalimina bi-zalimin, واخرجنا من بين أيديهم سالمين مستبشرين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين سوءا فرد كيدهم في نهورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم وشغلهم في أنفسهم يا رب العالمين اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا رقاء وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين وأنت أصدق القائلين وأنت على كل شيء قدير ادعوني أستجب لكم فهذا دعاء منا ومنك الإجابة اللهم لا تردنا قائبين اللهم لا تردنا قائبين اللهم لا تردنا قائبين فإن تردنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله